5 ans plus chez moi. Allez, par l'histoire, c'est bien. Oh, on est là, on est encore là. Merci. Eh oui, ça les perturbe. Ça, je suis un peu paniqué là. Parle de nous, ça les... Ouais. Ça leur fait bizarre. Et quand t'es rentré d'entrée, tu vois. Pardon, parle, excuse-moi. Excuse-moi. Ça va là ? Ouais, c'est un anniversaire. Est-ce que tu as un carton d'anniversaire ? On est là. On est là. Si Macron le veut pas, nous on est là. Macron, menteur. Macron, évolueur. Ah bah les bourgeois. À la voix du gouvernement. Macron, démission. Macron, français. Macron, évolueur. Macron, évolueur. Macron, menteur. Macron, voleur. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron le veut pas, on est là, on est là, on est là, même si Macron le veut pas, on est là, même si Macron le veut pas. On reviendra. À bientôt. À bientôt. À bientôt la reine. Le problème c'est la reine. On reviendra. On reviendra. Assassin, Macron, assassin. On reviendra. Steve, Zineb. On reviendra. N'oubliez pas. Voilà, et tu peux tourner s'il te plaît. Merci. Venez les gars. On est nassé sur le départ. On est nassé dès le départ. Mettez-vous en barrage. Non. Il ne faut pas passer. Et la liberté, où elle est ? La liberté, en train. Allez, déclarer, monsieur. Allez, déclarer. On peut bouger par là-bas. Ouais, dans 10 minutes. Il faut marcher. Il faut marcher. Non, non, non. On va pas bouger. Je vais être emmerdé, hein. Et à Paris, ça a marché, qu'il n'y ait pas de maire. Les cabinets ministériels, les préfets peuvent gérer Marseille. Il n'y a pas besoin de les cas. Pardon ? Attendez, là, je m'occupe de ça. Tu crois que c'est les camarades qui ont réussi à passer ? Oui, bien sûr, ils sont dehors. Excusez-moi, j'ai quelque chose à vous demander là. Vous êtes bloqué, on les manifeste. On peut y aller alors ? Très bien, mais on peut y aller. On peut y aller. Ou peut-être pas, mais... Non, peut-être pas, parce que je crois qu'il y a d'autres gilets jaunes là-bas aussi. Hein. Merde. Il suffit de la police pour vous retrouver, hein. Pas compliqué. Pas compliqué.
téléphoner. Bah ça barde hein. Ah ouais mais t'as vu. Mais c'est quoi, c'est des gaz lacrymaux qu'ils ont envoyé là dans la gueule des gens? Oh ouais. Putain, et orange? Hein? C'est orange. Ah ouais? Ouais ouais, ils étaient orange après à leur tête. Je crois qu'ils en ont attrapé une, je crois. Attention le tramway, attention. N'oublie pas, on pardonne pas. Zineb, Zineb, on n'oublie pas, on pardonne pas. Devant le commissariat de Noailles. Ouais, le commissariat de Noailles. Ouais. Ouais, ah, t'as réussi à sortir. Ah ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, non, mais j'ai vu, ils étaient agressifs. Ouais. Et t'as vu comme ils ont gazé à ras de la figure des gens. Là, c'est sa copine et une autre fille qui ont été pris. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais tu nous rejoins de toute façon. Après on ira peut-être à Saint-Charles. Bon, allez, à tout à l'heure. C'est des jeunes ou pas? Parce qu'ils disent que c'est pas des jeunes. Non, mais... Les arrestations. Les arrestations, ils ont arrêté quelqu'un? Ils ont arrêté deux personnes des manifestants. Ah, des manifestants? Ouais, ouais. On les reconnaît facilement. Commissaire Lambert. Commissaire Lambert. Commissaire à la bavure. Starsky. Eh ouais, tiens la main, hein. Là ils sont marrons là. Alors après ils peuvent nous nasser dans ces petites rues, attention aussi. Ils arrivent. Ah oui. C'est tous les gens qui sont morts. Ouais, c'est là, ouais. C'est tous les mecs qui sont morts. Je connais le quartier, j'habite ce quartier. Alors allez tout droit les garçons, allez, allez, allez. Allez. Bon, ils sont plus là, les filles. Ah, non, ils sont coincés dans la rue là-bas. Ouais, ouais, ils sont coincés là-bas. C'est bien. C'est avec le scooter ce soir. Allô, Christian? Ben, nous, on prend le métro, on va à la Joliette, au terrain du port. Nous, on est dans le métro. Là. Ouais, quarantaine, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est pas énorme, mais bon. Ouais, tu vas lâcher. Moi je vais voir, je vais suivre, c'est quand même, ça va être rigolo en tout cas. Allô, question? On n'entend plus. La deuxième fois. Arrête! On peut le dire! Oh, on fait de petits groupes, on part par ces petits groupes. Allez là-bas. Il y en a qui rentrent par là, mais... S'ils fouillent le sac. On est là. On est là. On est là. On est là. On est là.
qui monte. Il y a la bague qui monte. Ouais, ils sont là, là. Ah, ils sont en réfugiés, je vais. Ils sont là, la bague. Je les vois. Oh, putain, ça tremble trop, cet appareil. Ils descendent au moment où les autres redescendent. Ils montent. Ils vont les louper. Ils vont les louper. Ils sont. Allez, ils vont sans doute faire le tour, regarde. C'est celui avec le t-shirt gris Adidas, là. Ah oui, et... la police. Viens descendre, non. Avant qu'ils nous empêchent de partir. Ah ouais. Artiste. Non, parce qu'ils ne nous reconnaissent pas, on n'a pas nos gilets jaunes. Donc. Pardon ? Il y a eu le délit de Verdun dans l'Antarctique. Il y a eu le délit de Verdun dans l'Antarctique. Super. Ah, tu peux soulever la capuche. Ah, parfait. Super. Personne n'arrive. Hein. Où ils vont ? Forcément un contrôle d'identité, s'il vous plaît, monsieur. Vous coupez là votre caméscope. Je vais essayer de les avoir quand même. Je sais parler, moi aussi, j'ai fait quelque chose. Ils sont où les. Ils sont là, ils vont par là-bas, ils vont même pas par là.
qu'on s'est fait gazer aujourd'hui. C'est vrai, ça faisait un moment qu'on n'avait plus de gaz. Et là aujourd'hui. C'est vrai, parce qu'il était trop gentil. Ah, okay. Et pourtant, c'était un sacré enfoiré. On n'est pas avec eux. Ah, il va gazer. Allez, la répression. La répression, policiers. Ça chante bien, ouais. C'est que ça chante, mais... C'est presque la même. Rassemblement demain à la préfecture à 18h, je pense que tout le monde est au courant. Oui. Bien. Bah, alors. Oui. Non mais contre le 49.3, etc. Ça, je pense que tout le monde est au parfum là. Hein, oui. On va pas s'étendre. Oui. Donc il m'est venu l'idée d'être que nous, Gilets jaunes de Tourski, soyons également co-signataires de cet appel.
principe, est-ce que tout le monde est OK pour être co-signataire de cet appel? Oui. Et s'il y a une objection, plusieurs, quatre s'expriment. Par contre, les syndicats, on les attend le samedi. Hein. Ah bah, oui, mais ça, c'est autre chose. On est encore là, mais en fait, on est représenté, jamais représenté, au niveau des syndicats ou d'intersyndicales, et en même temps, ils sont jamais là. Donc, en plus, au 49.3, je veux dire, c'est pas une fin en soi. Il est là, mais c'est pas terminé. Ça repart encore au Sénat. Du Sénat, ça va revenir encore. Et je veux dire, c'est pourquoi vaut mieux samedi, hein, plutôt que tous les soirs. Alors, tous les soirs, on va aller là-bas et. Et pourquoi pas le samedi? Pourquoi pas les syndicats? On ne fait pas aussi ce qu'on appelle une intersyndicale qui va venir aussi le samedi. Les samedis, on les attend depuis combien de temps, les syndicats? Mais on peut les attendre. Depuis combien de temps? On peut répondre rapidement. Enfin, moi, je peux répondre rapidement. Je suis d'accord avec toi, si ce n'est qu'on va montrer qu'on est moins couillons qu'eux. C'est-à-dire que lorsqu'on pense qu'il y a une action, enfin, quelle que soit l'action, quel que soit le truc, qui nous semble juste, nous, on s'y greffe. Que eux parfois ne le fassent pas, on ne peut que le regretter. Mais voilà, c'est une réalité. En attendant, on a plein de blessés, on a plein de mutilés. J'aurais tendance à dire que tout ce qu'a fait lui Macron, c'est notre combat. Notre combat, nous, on est pour la défense des retraites, on est pour la défense du pouvoir d'achat, on est contre le 49.3, puisque précisément, c'est antidémocratique et qu'une de nos revendications, c'est le RIC. Donc, on ne va pas se priver d'y aller. Après, si eux, ils ne viennent pas le samedi, c'est un autre problème. Mais nous, il faut qu'on se greffe partout où on peut affaiblir Macron. Je pense que c'est notre objectif essentiel aujourd'hui. Et autre chose, quand on a commencé la grève en décembre, quand ils ont commencé la grève en décembre et qu'on s'y est associé, c'est vraiment, je dis la convergence. La vraie convergence, ça ne sera pas la convergence des appareils politiques, stratégiques, machin. La convergence, c'est celle qu'on crée en étant sur les blocages, dans la rue entre nous. Ce qui fait que dans le groupe d'information, on est 120 aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens de la CGT. On a été sur les blocages avec eux à 4h du matin, à 10h du soir. Maintenant, on les connaît humainement. Et hier, dans la manif, il y avait un gars de la CGT qui était là, qui nous dit, nous, la base, on en a marre de nos directions. Et de plus en plus, nous aussi, on va tendre vers les gens d'action que vous faites. Et ils ont trouvé que la manifestation qu'on a fait hier, qui était tout rikiki, pour autant, elle a eu le mérite d'être là le jour même, pas d'attendre 3 jours, mais le jour même de la réaction. Et donc, il y a vraiment une différence à faire entre les appareils et toute leur stratégie, leur discours politique entre eux, c'est leur histoire. Mais à la base, ce qu'on est en train de faire, même en étant 2 ou 3 dans une action tel jour, ça sème vraiment des sacrées graines. Allez, péage. Fais du péage. Ouais, j'en ai 3. Allez. 3 collages à 2. Là, on peut faire peut-être un peu plus long vu que c'est un bel espace. Bon, after collage. Il y a un gros tag juste en face. Ouais, en vrai, il y a des tags et tout. Et nous, c'est pour la bonne cause. Ouais, parce que là, il est là. Des parties, je veux bien juste que vous lui disiez à la fin. Ouais, là,
C'est juste pour la colle, mais ça va le faire. Bon, la paresse, merde, mais bon. Voilà, c'est de l'art. Je suis sûre Picasso de la colle, moi. Alors, quelqu'un. Qui prend la photo? Ben voilà, il y a des caméras partout, dans le métro. Dans les bus aussi, genre l'étage du haut, l'étage du bas, puis tous les magasins, en fait, ils ont des caméras à l'intérieur où tu peux voir la rue. Du coup, ils peuvent carrément te voir exactement ton parcours jusqu'à chez toi. Donc là, ils s'y veulent, ils ne peuvent pas. Jusqu'à chez moi, ils frappent le lendemain matin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est aussi vénère que ça, donc peut-être. Safety systems, please sit and clean up the edge of road. They fix that problem. We have a second line by Victoria coming in 6 minutes in both directions. Vas-y, la suite. Mais en fait, c'est pas qu'ils vont pas forcément l'utiliser, mais c'est ça voûter partout, tout le temps. C'est plus ça te décourage, tu vois, de faire des trucs. Si tu te masques tout le temps, du coup. Il faudrait avoir toujours 2 masques sur soi, en fait. Putain, mais il faut vivre dans la peur, c'est terrible. Toi qui me disais que c'est plus autorisé d'être masqué dans la rue? Ça, c'est en France. Ouais. Peut-être qu'ici, c'est pas encore le cas. Hein. Je pense pas, non. Le gaz à la main. Eh merde. Large mouvement.